sojourner gouvernement, il y a une grosse délégation, gouvernement haïtien, qui est dans la cour New York, qui a participé dans la 67e Assemblée générale de l'ONU. Premier ministre, son excellence Laurent Salvador Lamotte, c'est lui-même qui a la tête de la délégation, ça, qui arrivait dans la cour New York depuis hier. Président de la République, là, son excellence Michel Joseph Martelly, gagné pour la rejoindre pour être capable de participer dans la 67e Assemblée générale de l'ONU. Premier ministre Lamotte, eh bien, là, il est arrivé dans la cour New York, il a réuni tout staff diplomatie pays d'Haïti qui chita koli dans le pays États-Unis. Tant que ministre Affaires étrangères, là, M. Pierre-Richard Casimir, ambassadeur pays d'Haïti dans la cour Washington, M. Paul Altidor, et consul général New York, là, M. Forbin, tout le monde s'est réuni dans une grande salle avec tout fonctionnaire, tout diplomate, tout agent consulaire, pour être capable de chita sous visite même gouvernement à faire dans la cour New York. Plusieurs rencontres te gantan sou agenda. Premier ministre la genyen pou te fè à peu près 36 rencontres. Tout rencontre sa yo, yo rentre nan cadre ki sa? Yo rentre nan cadre relation que pays d'Haïti doit genyen avec l'autre voisin li yo. Yo rentre nan cadre relation pays d'Haïti doit genyen tout avec l'autre pays qui pi loin. Parce que j'en connais l'argent pour comprendre ni an, eh bien, ça fait longtemps. Depuis que nous-mêmes, en dedans pays d'Haïti, nous avons un petit recul sur le plan diplomatique. Et bien depuis, Premier ministre Lamotte, qui lui-même était ministre des Affaires étrangères, te prend tête diplomatie, il a redynamisé diplomatie. Il a baillé diplomatie haïtienne, il y a l'autre figure, il y a l'autre souffle. C'est dans le même contexte que le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, a continué le travail. Et dans le cadre de ça, Premier ministre Lamotte, dans la cour New York, côté que le pral fait des rencontres avec plusieurs partenaires étrangers, que ce soit des membres de gouvernement, que ce soit des membres de gouvernement amis, que ce soit ces nouveaux amis que nous pourrons faire, ou bientôt des investisseurs qui intéressés venir investir en dedans pays d'Haïti. D'une importance extraordinaire arrive au milieu de la semaine. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé en Haïti et nous comptons sur tous pour que nous puissions, dans un effort commun, et laisser cet événement à la tête haute et avec des succès pour Haïti. J'aurai l'occasion de travailler beaucoup plus avec les différents ambassadeurs autour de la table, les différents représentants d'Haïti, les différents membres de la société civile, de PACJ, etc. Donc je souhaite à tous bonne besogne. Et comme m'avait dit le PM dernièrement, la vitamine c'est nous, puisque nous travaillons. Nous avons rencontré avec ONG, avec 45 ONG qui ont opéré en Haïti, pour nous avoir un nouveau cadre de collaboration, de coopération externe, qui j'aime que ça va fonctionner. Ensuite, nous avons rencontré avec une compagnie indienne d'électricité, puis une compagnie indienne qui est Tata Power. Ensuite, après ça, nous avons une rencontre demain soir avec le président des États-Unis, qui a fait un dîner pour différentes délégations. Donc déjà là où est que nous commençons, là c'est qu'on est fin prêt et n'a pas le président d'Haïti en tout cas va venir et après demain. Et le président lui-même, il a différentes rencontres sur le parle pour être capable de défendre l'intérêt pays le plus que possible. Bon, que les choses changent en Haïti, nous allons présenter les points, le bilan. Et de ça que le gouvernement fait dans différents secteurs, dans l'état de droit, dans la reconstruction. La reconstruction a été lancée avec des grands chantiers nationaux qui ont débuté, c'est ça que fait la semaine dernière. Et sous question, et c'est préfet dans l'histoire du pays, tout que le bon gouvernement qui met en place différents programmes d'assistance sociale. L'école Timounio qui a 1,2 million Timoun, nous avons un programme de transfert conditionnel par maman et les petits maman chérie, nous avons un programme d'aide directement aux familles démunies et qui va commencer à partir du 15 octobre qui a bagué un groupe qui va un programme spécial pour les familles les plus démunies et plus de 300 000 familles qui va bénéficier. Nous allons parler autour de pratiquement de coopération que nous avons besoin avec différents pays. Nous avons des rencontres bilatérales que nous allons faire par exemple avec l'Afrique du Sud, avec Saint-Domingue, avec le Venezuela, avec l'Équateur, avec les États-Unis. Nous avons rencontré avec le secrétaire d'État Hillary Clinton qui lui aime bien faire voyage en Haïti tout, pour inaugurer le parc industriel Caracol là, dans le nord. Donc, nous sommes très confiants que Haïti
pour vraiment bien représenter avec dignité, avec fierté. Et surtout, j'aime d'abord dire l'équipe là, et je voulais remercier toute l'équipe là qui reçoit la presse haïtienne qui là, qui fait des déplacements, qui vient couvrir l'événement pour porter nouvelles bâilles à la population. C'est un plaisir avec nous là. Et nous avons travaillé dur pour que Haïti soit bien représenté. Les Nations Unies, c'est principalement des rencontres que nous avons fait dans un terme, enfin dans un cadre bien spécifique, qui est les Nations Unies, qui cadre. De discours sur par exemple l'état de droit, nous avons une rencontre avec un investisseur en électricité, nous ne connaissons pas, nous avons une présentation que nous avons, c'est une pigou en Inde et une pigou au monde. Donc nous avons souhaité que ça bien passé. Nous avons plusieurs rencontres avec différents investisseurs à travers le conseil présidentiel consultatif pour l'investissement qui va le faire tout. Donc nous souhaitons, en tout cas, souhait nous, c'est que nous avons réussi et joindre des projets pour nous atterrir dans la population. Il y a un pile rencontre avec, par exemple, nous avons rencontré avec le vice-président de Microsoft, et que nous connaissons qui est le plus gros compagnie computer au monde. Et Microsoft lui-même, il y a des projets que nous avons fait en Haïti. Donc nous avons discuté de différents projets avec lui. Et ouais, comment que nous avons encadré pour nous rentrer en Haïti sous le plus gros plan source pour que nous avons senti la présence de Microsoft en Haïti. Jean Sodouel là, nous avons rencontré avec tout le staff là. Et dans la primature, il y a un staff technique, il y a un staff technique qui est MPC qui là, il y a un consulat à New York là, il y a un ambassade Washington là, il y a un ambassade Nations Unies. Donc, en termes de suivi de staff technique, je pense que nous avons un bon staff là pour ça. Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, Premier ministre PIA, à la tête en délégation qui a participé dans la 67e Assemblée Générale l'ONU. Il était arrivé avant. Par contre, président PIA a gagné pour arriver dans la cour l'ONU pour lui-même à prendre la parole dans la 67e Assemblée Générale l'ONU. C'est qui s'allie? Eh bien, l'ONU, tout le monde connaît, c'est l'Organisation des Nations Unies. Il a gagné un représentant en dedans pays d'Haïti, MINUSTA, qui l'a en dedans PIA, qui a aidé nous au niveau sécurité, qui a aidé nous au niveau infrastructure, agriculture et ingénierie. L'ONU, c'est une organisation qui gagne la dernière, puis fort nation sous planète là, qui mettait tête ensemble pour une capable aider l'autre. Léon chef d'État a pris la parole dans l'ONU, qui ça l'a fait? Eh bien, elle a présenté état d'avancement gouvernement palia by toute assemblée, ça veut dire by toute nation pour les capables d'yo, mais qui ça lui-même l'a réalisé en dedans pays pour peuple, et puis pour les capables d'yo tout qui genre de aide que lui-même li t'a besoin pour le capable continuer type d'avancement ça. C'est dans condition ça, c'est dans l'idée ça que Premier ministre Lamotte t'est arrivé, li t'est en main en série de réunions, et une nan pigou réunion que t'est en main, c'était avec ONG yo. Qui ça qui ont ONG? Tout le monde plus ou moins capable de connaître qui s'allier, c'est des organisations non gouvernementales qui en dedans pays a, et bien qui viennent pour aider pays a, ou bien pour aider peuple en dedans pays a, dans un domaine ou bien dans l'autre. En Haïti, chargé ONG, et bien quelques temps que ONG a perdu vocation. ONG a perdu objectif premier que le vin fait en dedans pays. C'est dans optique ça, c'est dans idée ça que Premier ministre Lamotte réuni avec ONG yo qui yo même gen tout code lombrit yo mari avec l'ONU, et bien il te réuni avec eux pour te capable expliquer yo que li pa gen problème, pays d'Haïti pa gen problème, président Michel Joseph Martelly pa gen problème pour travailler avec ONG pour ONG vin aider peuple là. Cependant, c'est pour ONG yo vin aider peuple là dans priorité que peuple là gagne. Donc ONG pas capable venir en dedans pays pour faire des bagailles qui pas rentrer dans priorité peuple haïtien. Et priorité peuple haïtien kounye là, ça nous capable comprendre c'est qui ça le tailler. C'est à manger, électricité, travail, éducation. Donc ONG yo normalement yo même qui viennent pour venir aider nous, priorité yo c'est à aider nous dans secteur ça. C'est comme ça Premier ministre Lamotte te chita parler avec yo et tout le monde est d'accord pour recentrer dynamisation ONG en dedans pays d'Haïti. Là, nous avons la prochaine rencontre avec ONG. Nous sommes dans l'Assemblée Générale pour que la préparer nous pour faire un discours sur l'état de droit en Haïti et qui est un état de droit avancé. Donc, nous allons déraper le discours sur le nouveau règlement que nous avons demandé à toute ONG de suivre en Haïti en coopération et collaboration avec le nouveau gouvernement haïtien. Merci. The government of Haiti has taken, you know, the leadership on all development matters and want and need and want also
the assistance, the support of NGOs throughout the world to work with us. We don't want, however, to be known as an NGO nation. We want to be known as a nation that is struggling and fighting to get out of an extreme situation with the assistance and help of the NGOs within the framework provided by the government. Travail a continué dans New York City. Côté que délégation gouvernementale là a continué faire des rencontres. Premier ministre Lamont a rencontré soit des membres gouvernementaux ou bien soit des monde qui intéressés à venir dans qui manière, dans qui secteur yo capable venir investir en Haïti. Comme vous connaissez, c'est investissement qui est capable de créer emploi et investissement capable de générer une série de progrès en dedans pays sous divers plans, tant qu'agriculture, éducation, la mangeaille et plusieurs autres. Mais pour investisseurs intéressés venir en dedans pays nous, il faudrait que en dedans pays a gagner un système étatique qui existait. Là nous dit système étatique, nous voulons parler de état de droit. État de droit, c'est une eux qui fait jalon, qui fait potomitan discours président Matéli, qui fait potomitan projet de développement président Matéli. Et bien premier ministre Lamotte te prend la parole devant assemblée l'ONU qui au même te attendait premier ministre Lamotte qui a parlé de progrès qui fait dans état de droit en dedans pays d'Haïti depuis que président Matéli rivé la tête pouvoir. Pays nous mes amis reprendre place li dans mitan toute nation yo. C'est avec fierté que délégation gouvernement haïtien rivé dans la cour New York pour participer dans 67e assemblée générale l'ONU que président pays a son excellence Michel Joseph Martelly gagné pour le prendre la parole pour le capable présenter by toute nation sous planète là action que gouvernement l'a fait pour le capable améliorer la vie peuple haïtien et qui Jean l'autre nation sous planète là capable porter coller acli pour capable venir pote aide ba nous-mêmes qui c'est Jean nous te dit là premier république noire sous planète là. Donc diplomatie a l'avancer, diplomatie a travail pays d'Haïti retourner dans le concert des nations.